On peut récupérer les données de ManyChat sur Google Sheet. On va créer une feuille qui va s'appeler Mary Fitness et puis on va créer une colonne name et email adresse. Et en bas, on va créer un onglet 5 jours gratuits qui vont récupérer les emails de la séquence que nous avons créée dans la dernière vidéo. Évidemment, vous pouvez créer d'autres onglets différents sur deux types de clients que vous avez pour les segmenter. Ensuite, vous revenez sur ManyChat, vous allez sur Settings et puis sur Intégration. Dans Intégration, vous vous connectez à votre Google Sheet avec votre compte. Et une fois que vous êtes bien connecté, à ce moment-là, vous revenez vers la séquence que vous avez fait hier. Donc, je vais récupérer la séquence marketing attiré et puis je vais cliquer sur quel est votre email. Et en bas, il y a marqué action. Et donc, je vais aller chercher l'action de connecter avec Google Sheet. Voilà, c'est fait. Donc en cliquant sur Select Action, vous avez la possibilité de choisir soit insérer une ligne dans Google Sheet, soit obtenir des lignes de Google Sheet vers ManyChat, ou alors de mettre à jour des lignes de Google Sheet, de ManyChat vers Google Sheet. Ensuite, on va sélectionner le nom du tableur, Mary Fitness, et puis le nom de l'onglet, 5 jours gratuits. Et puis ensuite, on va faire coïncider les colonnes. Donc de full name de ManyChat avec name et email à email address. Voilà, vous êtes connecté maintenant à Google Sheet et chaque fois que quelqu'un s'inscrira pour obtenir un coupon réponse, un coupon gratuit de 5 jours sur Mary Fitness, il sera directement intégré dans Google Sheet. Bien sûr, retrouvez le lien d'affiliation dans la description de la vidéo YouTube ou alors sur l'article sur mon répondeur automatique.com. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo.